J'agis pour la lumière. Restez sur vos gardes. Je n'ai pas le temps pour les politesses. Ces rapports sont alarmants, Dame Liadrine. Tranquillien est menacé d'une invasion du fléau. Leurs troupes sont trop bien organisées pour qu'il s'agisse d'une attaque improvisée. Peut-être devrions-nous faire appel aux forces alliées de la Horde. Et perdre encore plus de temps à les attendre? Non, c'est maintenant qu'il nous faut agir. Dans ce cas, nous devons mobiliser les recrues. Nous défendrons Kel'Thalas. J'en fais le serment. Entendu. Je pars devant, nous nous retrouverons à Tranquillien. Dame Liadrine, êtes-vous certaine de vouloir mobiliser les recrues? Cette bataille n'a rien d'un exercice. Sûre et certaine. Elles sont fin prêtes à en découdre, et elles ne tarderont pas à vous le prouver. Croyez-moi. Puisque vous le dites, je m'en remets à votre jugement. Puisse le soleil éternel vous guider, Liadrine. Enfin! J'ai l'impression que ça fait des siècles que je m'entraîne. Envoyez-moi à Tranquillien! Salandria, ce ne sera pas une partie de plaisir. Et tu seras jugée plus durement que tout autre. Raison de plus pour faire mes preuves. Vous l'avez dit vous-même. Avec nous, Kel'Thalas n'a rien à craindre. Alors va et pars en reconnaissance au-delà de la Malbrèche. Puis reviens faire ton rapport à Tranquillien. Je suis le bras armé de la lumière. Al-Diel Shala. Restez sur vos gardes. Quelles sont les nouvelles? Bon voyage. Voilà la plèbe qui débarque. Un Sandlain ici? Abattez-le pendant qu'on se charge des protections. À très bientôt. Ce n'est pas très rassurant. Vite, vers la protection suivante. J'ai vaincu la mort elle-même. Le revoilà. Réglez-lui son compte pour de bon! Vous vous démenez en pure perte. Dernière ligne droite. Je sens que nous allons avoir de la compagnie. Le voilà! Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Eureka! J'ai senti un afflux de magie en provenance de Mortholm à l'instant où il est mort. Retournons vite en informer Liadrine. Dis-moi tout, Salandria. Que nous réserve Mortholm? Des créatures du fléau, comme s'il en pleuvait. Mais on a réussi à s'approcher pour jeter un coup d'œil. Le Sandlain dont Aetas a parlé a en sa possession un étrange cristal qui lui permet d'apparaître et de disparaître à volonté.
Cela explique l'afflux de magie que j'ai ressenti. Ce traître a trouvé un moyen d'échapper à la mort. Si nous parvenons à contourner ses protections, nous pourrons bannir définitivement son âme maudite en nombre terre. C'est donc ce que nous allons faire. Vous trouverez une arme à l'étage, imprégnée du bon pouvoir et placée entre de bonnes mains. Elle pourrait changer le cours des choses. Al-Diel Shala. Anaria Shola. Bon courage. Mon portail peut vous emmener jusqu'à Orgrimmar. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Je vous retrouverai là-bas, en Ombre Terre. Baladash Malanor. Ne vous en faites pas pour moi. Ayez confiance, on peut le vaincre. Le sang va couler. Je n'ai jamais dit que je serais votre adversaire. Anar Dalel, c'est ce qu'on appelle un coup bas. Beau combat. Je n'en attendais pas autant de votre part. Retrouvez-moi en bas, et je renforcerai votre corps sec. Parfait. Encore un petit effort, on touche au but. Rendez-vous au bastion. On peut y aller ? C'est parti! On se reverra bientôt, pas vrai? La voie est toute tracée. Ça devrait nous donner l'avantage. Nos destinées convergent. C'est bon. On a tout le nécessaire. Allons vite informer la matriarche de notre succès. C'est étrange. Quand je vous parle, c'est comme si un lointain souvenir me revenait en mémoire. Je vous rappelle peut-être celle qui m'a tout appris, Dame Liadrine. Comme moi, c'est une enfant adoptée. Par un certain Vandelor, m'a-t-elle dit. Je ne m'en souviens pas. J'ai renoncé à mes souvenirs mortels pour me consacrer à ma tâche.
Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mon enfant. Puisse votre arme bien vous servir. Je n'ai pas le temps pour les politesses. Éliminez le fléau qui gangrène la Malbrèche. Nous vous rejoindrons aux portes de Mortholm. Prenez rien à rien. Je suis éternel, immortel. Le soleil éternel. Je suis contente de vous revoir. Je suis le bras armé de la lumière. Restez sur vos gardes. Utilisez vite la Corsec avant qu'il ne revienne à la vie. Derrière moi! Chorel Aran. Vous allez bien? On tient le coup. Au fait, merci pour le bouclier. J'ai encore quelques leçons à apprendre, on dirait. On ne cesse jamais d'apprendre, jeune Phénix. Sur ce, rentrons à Lune d'Argent. J'agis pour la lumière. Al-Diel Shala. Je vais informer la Lame d'Ébène de ce qui s'est passé. Si le fléau a posé autant de problèmes ici, je crains que la situation en Orphandre ne soit plus préoccupante encore. Quoi qu'il en soit, votre dévouement vous honore. Vous n'avez pas hésité à risquer votre vie pour défendre nos terres menacées. Sachez que nous vous sommes redevables. Vous incarnez pour nous un modèle à suivre. Pour Kel'Thalas. Pour Kel'Thalas.